Le pétrole résiste à Wall Street. Il résiste d'abord au contexte tendu sur la dette souveraine grecque. Le vice-ministre des Finances de la Grèce a d'ailleurs déclaré ce matin qu'Athènes sera bientôt à court de liquidités d'ici le mois prochain. Et le ministre de l'économie allemande, Philippe Rosler, n'écarte désormais plus une faillite de la Grèce, ce qu'il appelle en fait une faillite ordonnée. Pour couronner le tout, l'OPEP a dégradé ses prévisions de demande de pétrole au niveau mondial, ce justement en raison du contexte économique incertain. Néanmoins, les cours de l'or noir tiennent bon. Il faut le dire qu'ils avaient beaucoup chuté la semaine dernière et encore ce matin. Donc du coup, les investisseurs profitent d'opportunités pour acheter et faire des bénéfices. Le baril de brut progresse ainsi de 0,71% à 87,86 $ à la mi-séance à Wall Street.